Et Yamina, c'est Dridri. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et cette fois-ci, je vais vous montrer donc comment débloquer le dernier personnage jouable actuellement hors event de 5-10. Parce que comme vous savez, on a droit de jouer notre cher Lua. Mais il y a aussi Luca à débloquer. Comment débloquer Luca? Tout simplement, il faut gagner 100 duels en utilisant son frère jumeau, son frère Lua. Une fois que vous avez fait les 100 duels, et ben vous activez et vous pouvez y aller pour débloquer le personnage. Enfin, pour commencer à le faire apparaître déjà. Dueliste légendaire débloqué, appel de Luca. Waouh! Voilà donc le monde de duel. Je sais que tu es là, Lua. Tu ne peux pas te cacher bien longtemps. Lua passe son temps ici, genre chaque seconde et chaque heure. C'est vraiment amusant ici. On va bien voir. Voilà. Elle est apparue dans le monde des duels et on va voir les missions à faire pour elle. Pour la débloquer. Alors, il faut jouer avec Lua et gagner 3 duels contre Luca dans le niveau 30 de monde des duels. Utiliser une carte monde de niveau 3 au moins 3 fois lors d'un seul duel avec Lua. Et réussir une invocation synchro lors d'un seul duel contre Luca. Donc voilà, je vais faire cette idée, ces petits... Bah, ce qu'il faut faire pour la débloquer. Et on se retrouve juste tout de suite, les amis. Remina. Et maintenant, on se retrouve. Bon, le déblocage, maintenant, bah, on va débloquer donc le personnage Luca. Donc on a joué avec Lua et gagné 3 duels de niveau contre une Luca de niveau 30. Donc ça c'est fait. Ensuite, le deuxième qui est utiliser une carte monde de niveau 3 au moins 3 fois contre dans un seul duel contre Lua. Avec Lua, contre. Avec Lua, je veux dire. Et réussir une invocation synchro lors d'un seul duel contre Luca. Tranquillou, easy. Maintenant, on débloque le perso. Allez, ça c'est check. Tout le monde lutte de toutes ses forces dans ce monde. Lua y compris. Mais je... Hein? La marque du dragon cramoisi? Luca. Incito fait élu dragon. Que fais-tu ici? Alors que je n'ai pas ta carte. La marque du dragon, on nous lit toujours. La marque du dragon... Du Akakliu. Luca ne souhaite pas faire des duels dans ce... Luca, ne souhaites-tu pas faire des duels dans ce monde avec tes amis? Mais je n'ai aucune raison d'être ici, ce n'est pas comme si je voulais gagner le titre suprême. Mais être ici avec tes amis n'est pas une raison suffisante? Eh bien, dis comme ça, sois forte, Luca. Sois honnête avec toi-même, tu pourras alors marcher aux côtés de tes compagnons et non derrière eux. Je veux être ici, je veux jouer et apprendre de mes amis. Pour être un... Peut-être qu'un jour nous suivrons les chemins différents, mais pas maintenant. Luca, ton cœur est ta force. Tu as toujours offert ta force au monde des esprits. Il est temps pour nous de te remercier. Merci, ancien touffé le dragon. Je donnerai tout. Je me soucie pas d'être le roi, comme Lua, mais je veux devenir plus forte et ce sera génial d'y parvenir aux côtés de mes amis. Luca débloqué. Voilà. Vous avez obtenu la compétence de Luca marque dragon la main. Une cette féerie dragon n'est pas là. Mais on peut l'avoir grâce à. Sa carte fétiche, on peut l'avoir grâce à la marque du dragon main. Enfin, avec la compétence, on peut l'avoir plus facilement. Donc voilà, comme vous avez vu, donc on a débloqué la chair Luca. Tout simplement. Et maintenant, on va regarder ce qu'on va débloquer comme carte avec elle. Alors. Alors, on va voir c'est laquelle c'est fameux. Alors, cette carte est envoyée au cimetière, donc ok, ça c'est la pixie enchantée. Elfe ancien, donc ça c'est pas ouf. Pixie enchantée. L'esprit de la brise. Réduction de niveau. Ouais. Encore un elfe ancien. L'esprit de la brise. Pixie enchantée. Échange de terrain. Elfe ancien.
Licorne du Soleil, L'Esprit de la Brise, et niveau 30, Alpha Leonis. Ok, bon, et ben les amis, on va se laisser là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à tenter de débloquer le dernier personnage actuel, Luca. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.